Dans le désert le plus aride au monde, au nord du Chili, se trouve un observatoire astronomique ultramoderne qui scrute le ciel et grâce à vos nouvelles technologies, on va dire, plus besoin d'être au Chili pour profiter des centaines de milliers de photos prises de l'univers grâce à une application gratuite de smartphone. Et les détails, c'est tout de suite dans la chronique high-tech. Promotion of the first episode coming. Just ready to whatever the pace of that you know the first tape and the junior got it. Keep in touch. You know what the fuck? Yo, pour la fois, c'est très simple. Il va me dire, Arthur! Bon, ça, c'est du nouveau son et surtout un son que nous livre notre invité. C'est tout simplement le winner de l'édition 2014 de Génération Magazine. Et on va applaudir. Comment vas-tu, mon ami? Ça va. Donc, le pic, encore une fois. Et encore une fois, je te dis félicitations, Draganov. Draganov. C'est toi qui m'as remis. Je suis pour tes bonheurs. Mais il est vrai qu'il a du talent. Et voilà, donc un jury qui a jugé que tu le méritais. Donc, Ken Wow, Zoubi Dafnij. Il y avait quand même de la concurrence. Et ben voilà, donc finalement, donc c'est Draganov, et je crois que là, parce que Draganov, il est originaire de Oujda, et bien sûr, Edo Morceau, je te remercie pour le cadeau. Parce que c'est la première fois qu'il passe aux Utsun. Ouais, c'est vrai, c'est, merci beaucoup Draganov. C'est nouveau, c'est Shkar. Exactement, Bakrif Mikchou, on aura même droit à du live tout à l'heure avec Draganov, avec ce même morceau, en tout cas quand Shkar Bzef, et aussi, donc... On a un autre invité qu'on connaît, vous le savez, c'est Draganov. Aïe. Il s'appelle Aïe. Il est congolais d'origine. Il est installé depuis quelques temps au Maroc. On va applaudir Mister Falsi Show. Yes, merci beaucoup. Falsi Show. Merci beaucoup, merci. Comment vas-tu, mon ami? Ça fait déjà un an qu'on t'avait reçu. Ah ouais, ça fait un an de préparation, un an de travail. Le travail, ouais. Ben c'est ça. En tout cas, il est revenu et il n'est pas revenu les mains vides, Falsi Show. Non. Parce qu'on a quand même du son qu'on va écouter tout à l'heure. Ok. Merci en tout cas. Okay. Merci d'être là. Et non seulement il a ramené du son, mais il n'est pas venu seul. Ouais. Avec moi, il y a ma main. Il y a ma main qui est présent avec moi. BNB. Il a accompagné Falsi Show, l'ami Diallo, Tech de main en plus. Et comme Tawai, il est dans le bain de l'hip-hop et de le rap, j'ai commencé en 2004. En 2004, et je sais, comme ça, rapidement, parce qu'on a discuté qu'il était quand même dans le bain du hip-hop depuis les années 90. Ouais. BNB, je n'ai jamais dit BNB. Les initiales, ouais, بالقشيبه الدين ناصر فوالا دونك بي ان بي مرحبا بك معنا ان توكا انا جوري كنت هنا نتكلم معاك كنت كتخدم مع فالسي وكتعرفو صاحبك اي اوسي دونك الى سون ستوديو اي ترافاي اوسي بي ان بي انا اوسي اون غاوني على لوي فالسي شو اي بيان سور جي اون كيسيون بور تو لو موند عندكم على الموسيقى والصداع وداكشي ولا السين وهادي واش حتى نتوما اخترتي راك تبغي شو دير لو سيلونس دراغان بيان سور ترافير ما ميوزيك جو كرو كو راه تسمعها غتعرف بلي هاد السيد عزيز عليه داك لو كوان بتي سون ان بتي بو سون بري دو دونك سي لو سيلونس كي مانسبير ان بو بو موا سي لو سيلونس كي تانسبير وي باسكو كون تي سيلونسيو دونك فوالا تا توت لي ايدي كي تو فوالا كي بلونت دون تا تيت كي يكون داك الشيء قديم وجديد وكل شيء كيعطيك دي بونش لاين كيعطيك دي ميتافور كيعطيك لعيبات كنت تكتب عليهم با فورسيمون سور ان انسترو ولكن ابخي سا تو ريغل سا سور ان انسترو اي تو Parce qu'on sait qu'à dire du rap slam, c'est confondu. Bizarre qu'il voulait raconter, mais qu'il ne sait pas du rap slam. Je le considère plus comme rap.
il a très bien un tempo, un rythme. Donc le slam, il n'a pas un rythme, un chélèbre, tu vois, c'est du rap. Sauf que là, j'ai mis avec le côté beat pour la plupart des morceaux. Voilà. Pour écouter plus. Mettre en valeur sur le texte. C'est voilà. C'est ça. En tout cas, Draganov, il est bien sûr inspiré par le silence. Et justement, ça tombe bien. Comme on dit, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et justement, dans une récente étude, l'université de l'Illinois a trouvé qu'un environnement modérément bruyant était nettement plus favorable pour stimuler la concentration et la créativité. Donc à tel point que des enseignants appliquent cette méthode du silence pour un meilleur rendement de leurs élèves. Et on en parle tout de suite dans Learning World. Et voilà. Bonjour, à la fin de l'émission. J'ai mis les films avec mon téléphone, il a sonné. En tout cas, donc la famille de la, le collectif de la Falsi Show, il y a aussi le collectif de Draganov aussi. Oui, c'est un nouveau collectif. La famille. C'est un nouveau collectif qui se forme, les Smith 4 8 Gang. 4 8 de Junior Band. Ah, 4 8 voilà. Gang. Donc, un collectif levé début du Maker. C'est un peu américain, d'action. Donc, fait début du Maker, ou fait donc Shooter, Masterclass Beats, et le mec qui a la pro du tout. Ancien avant de faire sortir la fiche tape, c'est Reborn. Qui donne une fois la naissance, la renaissance de Falsi Show, vu que non, ça fait un temps, après le groupe, et puis je suis resté un peu seul, histoire de mettre à un niveau tout ce que je suis en train de penser, s'il faut que j'avance comme ça, que je fais comme ça. Et donc, t'as pris un petit peu de recul, voilà, tu t'es posé, voilà, des questions, histoire de... To have something in the mind. Ouais, you know? Donc c'est ça, tu vois là, donc okay. Histoire un petit peu de se remettre en question. Ok. Ok, et après, je me suis dit que non, avant The First Day, je dois lancer Reborn. Donc dans le Reborn, il y a trois titres dont j'ai enregistré chez Ben B. Il y a Love Rap, il y a Rap Destiny, que je suis en featuring avec c'est qui, le gars que tu connais déjà, Jex Dollar. Il est des Adrelic Pro. N'est-ce pas, lui aussi, là où il est, Maxi. Je l'ai perdu de vue aussi. Ouais, c'est les préparations. Là, ouais, ouais. Là aussi, il y a des préparations. Ouais, je sens que je vais entendre parler de lui dans quelques temps. Donc, dans Reborn il est avec moi en feat. Il est avec moi en feat et Rap Destiny, c'est un hit. Un hit. Donc, c'est... ça va sortir d'ici peu, là. Il y aura donc, des clips. Ouais, ça se prépare. Une belle tuerie qui se prépare. Et avec Ben B, on a quand même fait des tracks. Et puis même là, on a un truc en ligne qui est déjà rap, qui est L'Ombre Obscure, qui parle un peu de la génération d'aujourd'hui, qui parle des agressions, qui parce que nous on se met plus dans l'actualité. On ne veut pas dire des choses qu'on essaie d'imaginer, surtout moi. J'y rappe ce que je vis, ce que je fais, et tout ce qu'il y a alentour, quoi. Donc, c'est aussi un cas à soulever ici au Maroc. On ne va pas cacher, hein, vu que non. Il y a des agressions dans les rues, Kulchi, on voit sur le Facebook, Kulchi. Et si on a un truc qui est L'Ombre Obscure, on essaie un peu de parler de la jeunesse, comment il... Pour moi, parfois il se déroute, au lieu de penser à faire autre chose, il préfère aller s'attaquer à des choses qui peut-être... Ils font le mauvais choix, c'est vrai. Voilà. Donc c'est pourquoi on a essayé un peu de parler sur ça, et qui sera aussi dans le bas de CP. Voilà, donc ça relate un peu, hein, donc la réalité. La réalité. Tout simplement, voilà. Des choses. On va se faire une petite pause, on va écouter justement un morceau à toi, Converted. Converted. Donc. Reconversion vers quoi? Ok, Converted, la conversion, c'est. Au début, j'ai fait du rap français. J'ai fait du rap français presque toute ma carrière, j'ai pu faire du rap français. Mais quand je suis rentré dans le rap, la première idée m'était venue de faire du rap en anglais. Mais vu que non, les conditions là où j'étais, tout le monde aimait plus du rap français, quelque chose comme ça, j'étais pas censé partir une fois faire du rap en anglais, quelque chose comme ça. Il fallait se préparer. Je me suis dit aujourd'hui, voilà, pourquoi pas me sentir libre, vu que... Pourquoi pas ne pas faire ce que tu sens, voilà, et ce qui te plaît. Voilà, ce qui me plaît. Alors que quand je suis rentré dans le rap, un an de la deuxième année, je me suis dit, je vais rapper en anglais. Et aujourd'hui, j'ai le moment de le faire.
pourquoi attendre demain? Tout simplement. Donc voilà, c'est pourquoi Converted, au fait, ça explique mon introduction dans le rap en anglais. I'm the poet. El Lyrica, I super high my role like a cause full von down. Rap drum, rap down, express rap beat and girls and they goes. The fact that who dies, what we saw was down. You know that, rapper means like me and sky to shining star. In the nowhere, between shadow and the black, peace and the joy, anything in my way. Yeah, we'll find it, chuff my sentence, we sex running. To be destroyed or to prophesy, I do not job to do, cause I'm a tossily against some use it as a shit. Yeah, bro, welcome to the field. Our beauty's done without the knowledge. Worldly dust, the body's a fall. But here we have the falling before the RGG. Poor lyric, the first step coming, on juin. You gotta have it, it's back again. It's back, love. Poor lyric as a back again on the game. Poor lyric as a back again. Say, whoa. I express my feeling, my tag and my desire in this beast. Be safe on the day it reach to hold my soul that goes with my honor and my pride. I gotta have the ride because he's my daughter. Fasting girl rap, give me the power, the horizon so fuzzy. All is so sweetie, but wearing me this crazy. I don't endure the care pace of the beating, dancing with the contact that shit. 100% honestly, nothing to say. We sleep, brother. Rap.